Errer comme jamais, auréolé d'un trophée national inattendu, les jeunes footballeurs de 17 ans et moins en provenance de Fizi termineront l'année 2022 par cette coupe nationale remportée à Kinshasa avec un nouveau statut et l'envie ferme de conquérir de nouveaux titres. Organisé d'idées au 8 août 2022 à Kinshasa par la Ligue nationale de football des jeunes, le championnat national U17 a écrit en lettres d'or le nom du territoire de Fizi sur sa page d'honneur. L'équipe du site Kivu a battu en finale la jeunesse sportive de Kwilu du Congo central par un score étriqué d'un but à zéro au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa le lundi 8 août 2022. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Maliamungu Shabani obtenue à la 61e minute de jeu suite à un mauvais renvoi du défenseur de l'équipe de Kwilu. Ces jeunes joueurs qui ont découvert non seulement une grande ville mais aussi le plus prestigieux et grand stade du pays pour la première fois ont surpris les sportifs congolais. Plusieurs ressortissants du territoire des Fizi ainsi que des notables du milieu et du site Kivu se sont donné rendez-vous au stade des martyrs. C'était non seulement pour suivre les matchs, mais aussi voir ces jeunes garçons venus d'un territoire non connu pour son football, mais plutôt des guerres ou des résistances, écrit l'histoire du football congolais en remportant un championnat national. Le secrétaire général de sport et loisirs, Barthélémy Okito, et d'autres personnalités du monde sportif, dont les délégués des ligues provinciales, ont été surpris par les talents des 22 acteurs. Ça surprend. L'équipe qui gagne la coupe, c'est une équipe de Baraka, même pas de chef-lieu de Fizi. Baraka, ce n'est pas un chef-lieu. L'équipe qui joue la finale du Congo central n'est même pas l'équipe du territoire, c'est l'équipe de Kwilungungu. Donc pour dire que nous devons nous organiser sérieusement, il y a des talents à l'intérieur du pays. Vous avez remarqué, c'est du bon football actuellement. Ça nous donne un peu la force de pouvoir croire à ces talents. Vous avez vu le match était de haut niveau. Donc, normalement, s'il faut qu'on applique la loi sportive, normalement, on doit mettre la commission des sportifs de haut niveau. Cette commission doit encadrer ces jeunes. On prend les deux équipes, on renforce avec les autres meilleurs des autres équipes, 30 personnes. L'État le prend en charge, ils étudient et ils jouent au football. C'est un peu ça la loi. Le champion au Big Buzz a obtenu les médailles, le trophée, le sac et les bidons, ainsi que les chèques de 3 000 $ américains. Le vice-champion, la JS Kwilu, a eu également les médailles, le trophée, les sacs et les bidons, ainsi que le chèque de 2 000 $américains. Le joueur Lian Zambete du FC Zaïre a obtenu le prix du meilleur buteur du tournoi pour avoir marqué 6 buts, tandis que Mbale Olo Bonner de Big Buzz de Fizi a été plébiscité meilleur joueur de la compète. Le député national Louise Munga est l'héroïne et actrice principale de ces sacres. Le garçon aurait dit avoir les talents, mais s'ils ne s'étaient pas déplacés, ils gagneront jamais un titre du genre. Les jeunes du territoire des Fizi de 17 ans et moins ont réalisé leurs rêves, jouer et gagner un titre national dans la capitale. Un voyage à Kinshasa quasi miraculé dans la mesure où il fallait se remettre à la bonne volonté et l'amour de son fils natal du député national, Louise Munga Messosi, qui a pris en charge la totalité des frais de voyage et autres formalités administratives afin de réaliser un rêve des enfants des Fizi qui semblait irréalisable avant le 8 août 2022. Cet acte salitaire de l'élite des Fizi a été fortement apprécié par la notabilité du site Kivu qui s'est mobilisé pour accompagner Big Buzz. Sachez que le député national, Louise Munga, a réalisé plusieurs actions dans son fils natal et à Bukavu dans le cadre de promouvoir la jeunesse d'Issid Kivu et surtout les talents locaux. Depuis Kinshasa, Fondi Obedi pour Talent d'Or. Bon, d'abord, je dois très sincèrement remercier Excellence Monsieur le Ministre parce que n'ayant pas pu participer à la compétition finale hier, il a tenu à recevoir ces jeunes qui ont beaucoup de talents. Et il voulait voir qui sont ces jeunes qui sont venus d'un territoire pas très connu
de très loin. La plupart vivent dans des villages et Son Excellence a tenu à les rencontrer, les encourager et les féliciter. Et pour moi, c'est une grande joie de pouvoir les accompagner en tant qu'un notable du territoire de Fizi. Et j'ai beaucoup apprécié le message de Son Excellence qui a dit aux jeunes que l'avenir du sport, c'est entre les mains de la jeunesse. Et qui les a encouragés à perfectionner leurs talents de façon que dans les années à venir, on n'ait plus besoin de recourir aux internationaux qui viennent de l'extérieur pour renforcer notre équipe nationale. J'ai beaucoup apprécié ces messages-là et nos jeunes sont encouragés.